à la vérité. C'est un gars de la terre qui est monté à Paris et qui a continué avec le même précepte honnête, scrupuleux, à ensemencer, à récolter, à semer, à labourer avec des attitudes paysannes. Si vous devez aborder une tragédie grecque avec cette désinvolture élégante que je vois chez tant de jeunes acteurs, je préfère vous dire tout de suite qu'il vaudrait mieux vous abstenir. Les titans, les dieux, ne consentiront à descendre en vous que si vous êtes digne de les recevoir. Et puis, Dulin, pour me secouer, m'a dit un jour, je crois que je me suis trompée sur toi, pour m'encourager. Mais ça a été formidable, parce que je me suis dit, mais il va voir. Sa mère était sorcière, tu vois. Il était sorcier, lui aussi. Il ne se trompait pas. Hein. C'est là où il m'a expliqué comment il allait travailler et où il m'a collé contre le mur pendant 8 jours. On était dans cette maison, on était dans cette maison, dans cette démarche, dans ce théâtre. Et jamais, jamais, au grand jamais, on n'aurait mis en doute ce que Dulin nous disait.